Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Titanfall cette fois-ci. Donc oui, j'ai acheté le jeu. Donc dans ce gameplay, vous allez voir que je joue sur une carte. Je me souviens plus du nom, désolé. Je joue avec la carabine 101C. Ouais, 101C, un truc comme ça, ou 101RC. Non, oui. C'est la carabine R101C. Voilà, donc vous allez voir que dans ce gameplay, je vais faire. Je sais pas comment on va dire. Un bon petit paquet de pilotes. Un bon petit paquet de bots aussi. Je vais mourir 4 fois dans cette partie. Donc ça va, c'est une assez bonne partie. Vous allez voir également que je ne temporise pas trop. Moi, ce jeu, j'adore, mais j'aime bien jouer à Titanfall, mais pas temporiser. C'est pas quelque chose qui me plaît. J'aime bien me déplacer, bouger, sauter partout. Voilà. Voilà, donc maintenant, alors, on va parler de Titanfall. On parle de Titanfall tant qu'on y est. Le jeu est sorti le 13 à minuit. Et comment dire, bah, y a des petits trucs qui me gênent. Par exemple, on n'a pas beaucoup d'armes. Franchement, on n'a pas beaucoup. Au niveau des armes principales, on doit en avoir une dizaine. Une dizaine d'armes principales. Des titans, on a 3 titans, donc ça encore. Titan, mais le fait de ne pas avoir énormément d'armes, ça me gêne un peu parce que moi j'ai bien changé d'armes, j'ai bien joué avec toutes les armes. Par exemple, la carabine R101C, moi j'ai bientôt tout débloqué. Il me reste 9 kills à faire sur des specs et j'ai bientôt tout débloqué dessus. J'ai bientôt changé d'armes. J'aime bien faire ça sur tous les jeux. Moi je suis comme ça, j'aime bien. Ça me fait un truc à faire. Après, au niveau de la beauté du jeu, moi personnellement je le trouve assez beau quand même. Je sais pas, il est beau, moi j'aime bien. J'aime bien la gueule du jeu. Après, c'est vrai qu'il y a peut-être un petit peu beaucoup de bots, mais il faudrait qu'il fasse un mode où il n'y a que des joueurs. Avec une plus de joueurs, ça serait idéal. Sniper, j'ai pas pu essayer le sniper encore, je l'ai pas essayé. Je suis sur la carabine, donc quand j'aurai fini avec la carabine, j'essaierai peut-être le sniper. Alors dans cette partie, vous allez voir que je vais lancer 2 fois mon titan également. Donc là, on a la première fois où je vais lancer 2 fois. Et vous allez voir que j'ai même assez mal mon titan. Parce que dans la partie, je vais avoir tué 3 titans. Vous pouvez savoir également que le titan peut passer en automatique quand vous sortez du titan, justement. Il passe en automatique. Et du coup, c'est pas mal parce que ça nous fait faire des frags un peu comme un score streak ou un Call of Duty. Du coup, vous n'avez pas besoin de contrôler et il vous fait des kills comme ça quand même. Je tue beaucoup de specs. Vous avez débloqué une nouvelle arme anti-titan que moi j'apprécie. C'est une espèce de lance. Et moi j'aime. C'est vrai, il n'y a pas beaucoup d'armes, comme je le disais. C'est gênant. Moi, ça me dérange un petit peu. On va attendre au prochain DLC, hein, on verra. Et puis, moi, j'ai des armes, ça pourrait être sympa. Si je rajouter des armes du titan, il paraîtrait, j'ai vu sur un des DLC, qu'il y aurait possibilité de tuer des bestioles qui sont dans la carte. Ça pourrait être sympa. Ça pourrait être marrant de faire un mode ça peut être sympa. C'est vrai que c'est pas stupide. Bref, on verra ça au prochain DLC hein, de toute façon. Ce qui est du DLC, il est utilisé pour plein de missions. Dégâts, passez à couvert.
ceux qui aiment bien tout ce qui est speed, tout ce qui est Call of Duty. Partout. Si vous voulez jouer à un jeu comme ça, achetez-le, parce que franchement il est bien. Moi je le recommande un peu sur PC parce que moi je joue PC. Après j'ai pas vu la version Xbox One, mais c'est très bien. La version PC me va par ma vie. Hyper convaincu, j'adore ce jeu. Après, c'est vrai que ça peut déranger certaines personnes le fait qu'il y ait des titans. Je peux le concevoir. Mais après. Voilà. Ils font peut-être un mode où il n'y a pas de titan par la suite. Mais... pour l'instant, il n'y a pas de mode hein, sans titan. Il y a un mode. Je crois qu'il y a un mode dernier titan. Il y a aussi. Je vous ai pas parlé de la sécurité, une chose sur l'impression. L'impression, c'est un style de match à mort. J'aime bien l'impression, c'est ça. Donc, je vais me mettre à essayer l'élimination. Qui est une stratégie, peut-être très du style Battlefield, Call of Duty. Je vais l'essayer. Mauvaise partie, la partie qui est assez bien quand même. On va lancer du coup, elle est pas mauvaise, donc je vous la présente sur YouTube. Ça fait bien de vous présenter un peu pas d'envie parce que c'est un jeu que j'apprécie. Et donc voilà. Et ben je vais vous laisser regarder la suite de la vidéo. Je vous remercie de m'avoir écouté, déjà c'est super sympa. Je vous remercie de regarder cette vidéo et je vous dis à la prochaine. Allez, bye tout le monde. Va vouloir se venger.